centre de la Fondation du Dr Julien à Chagnon-Maisonneuve et à Côte-des-Neiges, on a observé que les enfants sont souvent sous-stimulés au niveau de leur développement. Et ça, c'est parce que leurs parents sont souvent mal outillés par rapport à justement la stimulation de leur enfant. Et tout ça, ça peut mener à des retards de développement ou au niveau du langage ou de la motricité fine ou globale chez l'enfant. L'une des problématiques, je pense, qui est la plus importante, c'est l'isolement de nos familles, dû justement à leur parcours migratoire. Oui. Donc, ils arrivent ici avec énormément d'attentes, peu de réseau, peu de soutien. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'enfants aussi qui ont des difficultés en lien avec le langage, donc des difficultés langagières. Des fois, au niveau communicationnel, ben, ils vont avoir trois langues, un peu d'anglais, un peu de ourdou, par exemple, et on les met dans un contexte scolaire francophone. Donc, énormément de beaux défis à relever pour ces enfants-là. Tout dépendamment de la raison d'entrée de l'enfant, ils vont être référés aux différents services qu'on offre ici. Donc, si c'est un problème de langage, bien, il peut voir l'orthophoniste, un problème de comportement, ça peut être la psychoéducatrice. Si c'est au niveau des émotions, ça peut être l'art-thérapeute, musicothérapeute. Donc, tous les services qu'on peut offrir. En clinique, il y a toujours la présence de tout le monde qui est pertinent autour de l'enfant. Donc, pour nous, c'est important que ce n'est pas un rendez-vous simple médical où il y a le parent et l'enfant seulement avec le médecin. On va demander à la famille d'inviter tout le monde qui considère qu'il est important autour de l'enfant et qu'il y a de l'information à nous apporter pour nous aider à le comprendre. Fait que souvent, on va avoir les professeurs de l'école. S'il y a des intervenants du CLSC ou de la DPJ, on va les inviter. La Fondation offre également du parrainage pour les gens qui voient un besoin dans leur milieu. Je pense au centre de pédiatrie sociale qui se trouve à Centre-Sud. Ça, c'est dans le cas de ce centre-là, en fait, quelqu'un s'est dit « Moi, je vois un besoin dans mon milieu pour un centre de pédiatrie sociale. » Et dans cette situation-là, la Fondation du Dr Julien va venir apporter une expertise ainsi qu'une aide financière pour vraiment créer un centre de pédiatrie sociale indépendant qui va vraiment répondre aux besoins du milieu. Notre expérience là-bas nous a permis de remettre en perspective certaines choses qu'on pourrait prendre pour acquis. Par exemple, lors d'une activité de coloriage qu'on faisait avec les jeunes, il y a une petite fille qui ne voulait pas s'arrêter lorsqu'il est venu le temps de ranger. On lui a dit « mais c'est correct, tu pourras continuer ton dessin chez vous ». Puis elle nous a répondu « mais j'ai pas de crayon chez moi ». Ça nous a vraiment choqués parce que des crayons, c'est vraiment du matériel de base, comme moi j'ai tout le temps eu ça quand j'étais jeune. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai pris pour acquis. À la Fondation, l'aspect droit des enfants a été mis en œuvre dès le début en fait, de la pratique de pédiatrie sociale. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait une rencontre avec un enfant et avec la famille, on va toujours garder en tête le plus possible où ses droits ne sont pas respectés, où ses droits sont possiblement bafoués. Donc, si par exemple l'enfant a l'asthme, moi c'est l'exemple le plus commun que je vais donner, on va juste regarder est-ce qu'on doit juste lui prescrire un médicament. Il faut toujours penser un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des problèmes en ce qui concerne son logement, il y a peut-être de la moisissure, ce qui veut dire qu'il y a un problème avec le propriétaire. Est-ce qu'on peut faire intervenir un avocat pour pouvoir régler le problème et ainsi changer la situation dans laquelle l'enfant vit en quelque sorte? Donc là, lorsqu'on est arrivé à la Fondation, on a très vite réalisé comment les intervenants portaient une attention très particulière aux petites réussites quotidiennes que vivaient les enfants. Et cela nous a profondément marqué de réaliser comment les petites victoires constituent vraiment un important chemin vers le développement de l'enfant jusqu'à son plein potentiel. J'ai un enfant que je suis en ce moment, il y avait des problèmes au niveau de l'attention, donc on pouvait passer seulement que de 10 à 20 secondes sur une tâche particulière. Mais avec l'aide de la musique, comme c'était un stimuli qui était intéressant ou particulièrement captivant pour l'enfant, on arrivait à monter le temps d'attention jusqu'à 5 minutes, ce qui est beaucoup plus élevé que le temps d'attention qu'il y avait au départ. Puis avec l'aide de toute l'équipe, l'enfant est admise récemment à l'école à temps plein. Donc c'est des petites victoires, mais dans le fond, ça représente des grosses victoires pour le développement de l'enfant, effectivement. À mon avis, c'est sûr que ce qui est essentiel pour un enfant, c'est de répondre à ses besoins de base, que ce soit au niveau de l'alimentation, du sommeil, de la sécurité, de l'éducation. Et au niveau de l'attention qu'un enfant peut recevoir, de l'amour qu'il peut recevoir, c'est essentiel. Qu'un enfant puisse grandir sous l'œil ou sous les yeux
d'adultes qui l'aiment, qui le valorisent, qui l'apprécient pour ce qu'il est. Je pense que c'est très sécurisant pour un enfant. Je pense que n'importe quel individu peut vivre dans n'importe quel contexte quand il se sent reconnu puis quand il est aimé. Donc, que tu vives dans un milieu de pauvreté ou est-ce que des fois tu as de la misère à manger, à ta faim, je pense qu'on peut passer par-dessus quand on est bien entouré. Fait que ça revient au concept un peu de l'amour, là, que pour moi, si ces parents-là ils ont de la place pour être aimés puis d'aimer leur enfant, ben pourquoi pas, ils n'évolueraient pas. C'est sûr, ces enfants-là, ils n'ont pas le même vécu que nous. Ils vont te raconter des affaires que parfois, tu t'y attendais vraiment pas, mais il faut être ouvert. Puis juste de les écouter, puis une fois que de plus créer ce lien-là, c'est tellement gratifiant en tant que bénévole de savoir que tu as pu les aider, que tu as été là pour les écouter, puis que tu as peut-être eu un petit impact dans la vie de ces enfants-là. C'est quoi? La lumière. Just save your time. You may die.